C'est dans cette entreprise de culture biologique de germes de soja que les autorités sanitaires traquent la bactérie responsable de l'épidémie. Quand même une forte suspicion sur ces germes de soja, hein. Oui, en effet, bonsoir Laurence. C'est vers l'entreprise de Monsieur Tang que nous ont mené les indices du restaurant de Hambourg. Il faut dire qu'ici, le soja se cultive à même le sol. Il y règne une odeur... Oh putain, ah bah non, c'est bon, cherchez plus, j'ai trouvé. Laurence, on est toujours en direct? Non, reste là-bas, reste là-bas. Oh, vous allez avoir des gros problèmes, monsieur. Ah non, pas filmé, hein, coupe la caméra. Ça, c'est secret industriel, hein. Sentez pourtant un jeune chinois avec vrai chinois dedans. C'est arôme spécial, coupe la caméra. Ah, mais ça doit venir de celui-là, il a une espèce de plaie à la bouche, là. Il vous a pourri votre soja, monsieur, là. Non, 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 soja excellent. Bon, bah, vu que j'ai découvert la bactérie en premier, ça va être à moi de lui donner un nom. Tiens, une idée? Enculé. Oh. Non, mais c'est pas mal comme nom, finalement, j'aime bien. Bon, on va l'appeler la bactérie E. coli, Laurence. Merci beaucoup, Caroline. À votre service. Les parents du soldat franco-israélien.